Et salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO et on est ensemble pour l'épisode numéro 11 sur Tomb Raider, l'ange des ténèbres. Et nous étions arrêtés au centre de recherche biologique, voilà, avec un homme mystérieux hein, sur la jaquette finale. On va charger ça de suite. Nous étions rendus à la forteresse du Straov, qui est le lieu où se trouve la coterie, hein, où ils se sont rapatriés. La coterie qui recherche les 5 peintures d'Obscura. Et pourquoi ils se sont mis dans la base du Straov, qui était une base mafieuse avant, à Prague, en Tchécoslovaquie? Eh bien, parce qu'il y a une peinture d'Obscura cachée quelque part sous cette base. Voilà, la cinquième et dernière, puisqu'ils en avaient déjà 3 de base. Et ils nous en auraient volé une. Enfin, ils nous en ont volé une quand on est sorti du Louvre, la fameuse peinture d'Obscura de Paris. Voilà, et nous sommes introduits dans le Straov grâce à un journaliste tchèque du nom de Ludic qui nous a dégoté un pass. Le pauvre Ludic qui s'est fait tuer hein, lors de du dernier épisode. Et nous avons pu passer sans encombre. Alors, on doit atteindre une crypte qui se trouve à l'opposé de la base, et pour raccourcir notre chemin, on a coupé le courant, ce qui a fait sortir une bête monstrueuse dans un endroit où on n'est pas allé et où on ne va pas encore aller. Puisque là, on va pouvoir passer donc par le centre de recherche biologique que nous voyons ici. Et l'homme qu'on a vu sur la jaquette, on l'a déjà vu d'une réunion qui a été faite par la coterie, donc juste avant que nous entrions dans le Louvre, rappelez-vous. On sortait des rues de Paris et puis on a eu droit à cette cinématique où tous les membres de la coterie se sont réunis, dont ce mystérieux homme dont on ne sait pas grand-chose. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose du tout sur toute la coterie. Hein. On sait que c'est Peter Van Eckart qui est le chef. On a le gros militaire, la Gunderson. Et les autres, on ne sait pas. Allez, le voilà, le mystérieux. Et il se tourne, on va le voir. Ne respirez pas, et surtout pas un mouvement. Vous allez au-devant de graves ennuis. Les intrus ne font pas long feu au Straov. J'ai juste quelques questions, ok? Bien. Pour commencer, qui êtes-vous? Ensuite, qu'est-ce que vous et vos compères manigancez? Vous pouvez grouper les réponses si ça vous aide. Vous ignorez tout de la coterie? Nous sommes les précurseurs d'un ordre nouveau sur la Terre! Oui, ça ne me dit toujours rien. Ignare mortel, la coterie! Nous contrôlons tout Prague! L'immortalité est notre destin. Quand une mort prochaine vous guette déjà, espionne. Immortalité, impressionnant. Et quel est votre plan génial? Meister Eckart va rendre sa gloire passée à la race des Néphilim. Pour prix de notre collaboration, il nous livre l'immortalité. Vous n'êtes pas le premier demeuré à parler comme ça, mais on ne se lasse pas. Votre pitoyable inculture vous aveugle. Nous avons reçu la pièce cruciale de Turquie. Elle est ici, au Straov. Et c'est ? Le dernier survivant des Néphilim. Le cubiculum Néphili, le dormeur. Et oui, le dernier d'une glorieuse lignée, ici, au Straov. Mais les Néphilim ne sont qu'un mythe. Encore, ignorante. En extrayant les essences vitales de ce précieux spécimen, Meister Eckart peut engendrer une autre génération de purs Néphilim. Et non pas un monstre incontrôlable comme le proto-Néphilim de Bose, dont la stupidité a causé la perte. Oui, personne n'aime voir son abomination échapper à son contrôle, évidemment. Votre humour et vos bravades sont puérils. Vous méritez un châtiment exemplaire. Bon, on connaît pas son nom, mais on a appris quand même pas mal de choses.
On sait donc ce que fait Eckhart et la coterie du coup ici. Ils sont en train d'essayer de réveiller donc la dernière race des Néphilim connue, donc le Dormeur. Alors ça, ouais, on va éviter de s'en approcher. De ces plantes carnivores. On peut pas les tuer en plus. Ah putain, il y avait quelque chose là, merde. Hop. Oh putain. Là, il n'y a rien. Ok, très bien. Donc, ils veulent essayer de remettre à la vie le dernier de la race des Néphilim, donc une créature mi-ange, mi-homme. Et pour ce prix-là, Eckhart offre à ses collaborateurs l'immortalité. Voilà, donc ça, on vire. Plutôt étrange hein, comme pacte. Hein. Alors, allons voir ce que j'ai ouvert. Et donc, apparemment, ils auraient travaillé sur un proto-Néphilim, un prototype hein, Néphilim. Et ça n'aurait plutôt pas marché. Hein. Et c'est peut-être, et c'est sûrement même, je vous le dis de suite, la créature que l'on a délivrée lors de la fin du précédent épisode. Alors, je ramasse tous ces trucs, c'est des chargeurs, très bien. Donc, on a deux Néphilim. Et on a la fameuse coterie. Alors, on verra un peu plus tard qui est Bose. Hein. On l'a déjà vu dans les cinématiques, mais on ne sait pas encore vraiment qui c'est. Donc là, on commence à savoir qui travaille pour la coterie et pourquoi. Donc maintenant, on sait d'où vient ce penchant pour... Les Néphilim. Enfin, pour les peintures d'Obscura plutôt. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. C'est vraiment des saloperies ces trucs. Ah putain, il y a des objets là. Je savais bien qu'ils allaient m'en foutre derrière les plantes carnivores, sinon c'est pas drôle. Allez, on se tire. Et donc, monsieur s'est barré en mettant du pesticide ou de l'insecticide dans la figure. Allez. Comme dans la galerie des saisons, on ferme une porte pour en ouvrir une. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh. Super! Et un monstre! Alors c'est l'un des... Je crois que c'est le seul qu'on voit de monstres comme ça. Donc on va s'en charger illico presto. Où il est? Il est là. Là! Couché. Ah putain, il y a ces trucs aussi. Ah, il y en a partout! J'avais zappé ça. Bon, voilà ce qu'ils font, hein, les biologistes ici. Alors, ce qu'on entend là, c'est ce que je viens de tuer, les trucs qui roulent là. Putain, il me sert le fusil du nettoyeur là. Je vais vite le vider. Alors, suivant. J'aime beaucoup son fusil.
Hop, moi, je casse tout. Ah, je peux pas le péter celui-là. Pourquoi? Ah, si. J'étais trop près. Plus d'expérience ici. On ferme boutique. Voilà. Et ça, c'est déjà cassé. Bon. Très bien. Alors là, on a fait le tour. Ok, très bien. On a des escaliers ici. On en a d'autres ici. Mais là, je pense qu'on ne pourra pas y accéder. Ça ne s'ouvre pas. Alors, on va aller là d'abord. On voit qu'ils font vraiment des recherches scrupuleuses. On est complètement sorti de la... de la partie entrepôt du Strahov. Là, on est vraiment dans un gros jardin botanique. Dont certainement le gentil monsieur qu'on a vu est le créateur, ou du moins celui qui s'en occupe. Alors on va... Ça, ce sont des cartouches pour Viper, pas pour le Viper, pour le Vegas, là, quelque chose, je ne sais plus son nom. L'arme qu'on a trouvée dans le précédent niveau, hein, si vous vous souvenez bien. Les armes des hommes de Eckhart. Et ceux avec le masque à gaz. Je m'en servirai plus tard, mais j'aimerais vider le fusil de notre ami nettoyeur dans l'appartement de Von Croy. Encore un chargeur. Là, il y en a encore un. Voilà, on est pas mal là. Alors ici, j'étais resté un petit peu bloqué, hein, mais la sortie se trouve ici. Voilà, on va aller sur l'échafaudage pardon, d'en haut. Hop, il y a une vanne qui nous y attend. Hop, voilà. Alors, on va actionner cette vanne d'abord. Là, je me suis mis en mode marche, histoire d'éviter de tomber ridiculement. Mimi. Bon. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça a fait. Il y en a une autre de l'autre côté, vous avez vu. Oh, et puis là, il y a des petits sauts à la con. Petite sauvegarde, hein, ça fait longtemps. Bah, depuis le début du niveau, hein, ça fait 13 minutes que je n'ai pas sauvegardé, oh là là. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas eu d'autres... une conversation à différents choix. Parce que je suis sûr qu'il nous aurait appris pas mal. Eh ben, j'ai bien fait. On va charger. Hein, on va pas perdre plus de temps et surtout d'énergie comme ça. Ouais, ce mystérieux gars là, il nous aura pas appris beaucoup de choses quand même, quelques-unes, mais ce n'est pas suffisant. Oh putain. Ah bah là, on sait pas pourquoi, mais je n'ai pas survécu. Bon, je vais essayer de sauter d'une traite, hein, comme ça. Si ça se trouve, le petit lopin là, il ne sert à rien. On va faire un grand saut direct. Et oui, et ça, ce genre de saut dans les Tomb Raider précédents, je les aurais jamais loupés. Et c'est juste que la jouabilité de cet opus est tellement mauvaise. De toute façon, c'est l'un des... Je crois que c'est même le Tomb Raider le moins apprécié des joueurs. Clairement, c'est celui qui a fait le plus gros flop. Voilà. Mais c'est bien dommage, hein, parce qu'il y avait énormément de qualité dans ce jeu-là. Une très très grande ambition, et comme je disais, niveau scénaristique, niveau scénario, pardon, c'est très très bon. Enfin, moi, je suis en pleine haleine dessus. Ah, ça a ouvert ça, très bien.
c'était le l'incubateur de du monstre qui est sorti. Hop. Ah, putain, on est obligé de perdre des vies là. Par contre, ça c'est pas cool du tout. Bon, et ben allons-y. Qu'est-ce qu'il y avait là-dessous? Un passage secret. Bon, heureusement qu'il y a de l'eau. Ça doit pas être très écologique ce qu'il y a là-dedans. Ça doit être des déchets, des rebuts d'expérience. Vu ce qu'il y avait au-dessus, ça doit pas être terrible. Alors, on nous parle de l'immortalité, ça veut dire peut-être que Maître Eckhart, Mister Eckhart, est donc bien l'alchimiste noir du 15e siècle. Mais putain, il aura vécu, hein. Et il en aura mis du temps à trouver sa peinture. Alors là, je sais plus s'il faut aller en haut ou en bas. Hop, tic-tac, tu craques. Hop. Je sais plus où est-ce qu'on atterrit si on descend. Je crois qu'on peut avancer aussi, mais d'une manière différente. Ou alors la porte ne s'ouvre pas, je ne sais pas, on va voir. Bah si. Alors. Ah, il me semble qu'on aura des surprises ici. Alors le gaz ne fait rien. Sur Lara. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il y a marqué là. Big Dome, level 3 security only. Ah, nous voici dans une très grande salle. Alors là, on va y rester un petit peu. Ah, il y a un gardien aussi. On va s'en débarrasser. Voilà. Il n'avait rien. Il me semblait qu'il y en avait un deuxième. En haut peut-être, je ne vois pas. Ah, regardez. Vous avez vu ce qu'il y a là-dedans là? Bah ça c'est un monstre aquatique, alors n'essayez pas de le tuer, il est immortel. Et il vous one-shot quand vous êtes dans l'eau, donc je vous déconseille fortement d'aller dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Il n'y a rien du tout. Alors là ici, il va falloir que j'y aille après. Évidemment, on nous force à passer au-dessus. Alors le gars en jaune là, le garde, avec son masque à gaz, on aurait dit un des gardes dans Metal Gear Solid 1, hein, si vous connaissez, dans au début du deuxième CD, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, le haut fourneau, voilà, les gardes du haut fourneau. Ça y ressemblait étrangement. Bien, j'ai arrêté le gaz. On a encore une porte là-haut. Hein. Je sais pas si vous avez fait attention. Est-ce qu'on peut d'abord y accéder par là? Non, 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 je t'ai pas dit de sortir. Non. Bon, peu importe. Voilà. Alors là-haut, qu'est-ce qu'on a? C'est très calme ici, hein. Alors, on a encore des grandes plantes. Ouh, on a des choses ici. Des chargeurs. Des chargeurs et... Ah, un petit médicament. Mais c'est trop gentil, ça.
On descend. C'est pas haut. Bien. Alors, on a des câbles de ce côté-là. Ça nous permettrait de monter à ce niveau-là. Avant ça, j'aimerais tester quelque chose. Donc là où je vous ai dit, on va redescendre. Oula, attention. Hop, 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 hop. Va pas trop vite. Alors, on peut sprinter dans les escaliers, mais seulement si on a commencé avant. Ouais, c'est bien ce qui me semblait qu'on peut monter ici. Alors là. Hop. Donc on se sert de l'herbe présente sur le mur. Hop. Allez. Pour atteindre la partie haute. Ici, ça ne s'ouvre pas. C'est fermé. Et je crois d'ailleurs que ça restera fermé, si mes souvenirs sont bons. Alors, voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'il fallait faire ça avant. On va actionner ce levier. Alors, ça va de ce côté-là. Et finalement, non, vu que c'est bloqué, ça revient en arrière. Hop, contre la plateforme tout en face. Alors, j'aurais des jumelles. J'aurais pu vous montrer pourquoi c'est utile de l'envoyer là-bas, cette plateforme. Malheureusement, on va pas pouvoir voir. Hop. On va redescendre. Ouais, c'est bon, on perd pas de vie. Très bien. Alors, on va sauter là. Et je vais refaire une sauvegarde. Alors attendez. Ouais. Alors la plateforme qu'on a actionnée, elle est là-bas, celle avec les grilles. Et ouais, on va pouvoir se servir des herbes pour sauter en arrière. Donc une fois que je serai sur la plateforme là-bas, je vais pouvoir vous montrer d'un petit peu plus près. Avant ça, vu que le gameplay est plutôt capricieux, je vais me permettre une petite sauvegarde avant. Voilà qui est mieux. Hop, on se met en mode discrétion. Allez, s'il te plaît, merci. Quand je disais que le gameplay était capricieux, c'est pas pour rien. Alors, ne surtout pas tomber dans l'eau, hein, je l'ai dit et je le répète. C'est pas un crocodile qui est en bas, c'est un monstre organique fait par des expériences, hein, qui a des mâchoires en scie, c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs, quand on est dans l'eau, on entend le bruit de ce monstre. Hein. Il fait un truc du genre... C'est très effrayant. Voilà, vous voyez, donc je vais pouvoir grimper là-dessus. Et une fois que je serai là-haut, je vais pouvoir me balancer jusqu'à cette plateforme-là. Allez, c'est parti, KO, on y va. Allez, on perd pas de temps, Malara. Hop. J'aime beaucoup cette escalade comme ça, là, de façon 3 dimensions, là. On l'a perdu, ça, hein, dans Tomb Raider Legends, c'est dommage. Alors, j'essaie de bien me centrer. Ah, putain. Ah, putain. Ah, mon Dieu. J'ai loupé. Ah, putain qu'il est gros. Je veux sortir. L'échelle, elle est là. Et je vais me faire bouffer. Putain, elle prend bien son temps en plus. Ouf. Eh ben, tu reviens de loin, hein, ma petite. Mais alors, de très loin. Comment ça se fait que je me suis pas mis sur la plateforme? Allez. Ah bon, bah nouvelle tentative, hein. J'ai eu du bol, mine de rien quand même, de pas m'être fait bouffer par cette grosse bébête.
Non, 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 non. Allez, voilà. Bon, là, on a largement le temps avant que notre barre de force ne s'enlève. Oula. Vous avez vu, hein, le nombre de bugs qu'il y a dans le jeu. De toute façon, c'est uniquement à cause de ça que le jeu n'a pas eu de très bonnes notes, de très bonnes critiques, etc. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Mais bon, si on a ça, c'est uniquement à cause de Eidos, hein, qui a demandé à Core Design de développer le jeu le plus rapidement possible pour sortir le jeu en promotion avec le film. Que du marketing. Putain, non, 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 non. Allez, on retourne. La perspective est dégueulasse. Je vais me faire bouffer. Toujours pas. Heureusement qu'il est crétin. Ah mais bon, on va pas faire ça 50 ans, hein, les amis. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Hop, ah, très bien. Je progresse, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder sur la plateforme du dessus. Tant pis, j'ai perdu une moitié de barre de vie, mais... On va éviter de faire ça 50 fois, hein. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me mettre juste au-dessus de la plateforme que j'ai mise. Bon. Jusque-là, pas de problème. Mais cette caméra aussi, elle est nulle. Elle est nulle. Alors, on va sauvegarder là. Et je refuse de crever dans la gueule de ce monstre. Non, bah non, évidemment non. Allez, retente ta chance. Jamais 203, comme on dit. Elle se sert aussi de ses genoux, c'est plutôt bien fait ça. Allez, voilà. C'était limite encore, mais bon, au moins on y est arrivé. Voilà tout ça pour aller ici. Voilà, on descend sereinement, prudemment. Je regardais si sur le tuyau du dessus il n'y avait pas d'objet, apparemment non. Et heureusement, j'aurais eu la flemme. Voilà, on désactive le champ de sécurité pour ouvrir la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui. Une énigme, je me rappelle très bien d'ici. Et voilà, la vilaine plante nous barre le chemin avec ses branches en nous fermant la porte. Et vous aurez beau lui tirer dessus, rien ne changera. Hein. Je préfère vous le dire avant que vous n'essayez ou vous me demandiez d'essayer. Alors pourquoi elle est aussi grande et pourquoi elle est intelligente? Regardez les déchets qu'il y a là-dedans. Alors vous avez vu que cette plante, elle est reliée avec un tuyau aussi. Ça peut peut-être vous aider pour... résolver cette énigme. Avant d'aller là-haut, en suivant le tuyau, on va juste aller en dessous. Avec des gros champignons, voir s'il n'y a pas des petits objets. Non, il n'y en a pas. Allez, allons voir. Voilà, on suit le tuyau et on s'arrête à un espèce de dispositif ici, relié avec une manivelle, un levier. Et là, on a différentes sortes de valves. Voilà, et le tuyau s'arrête là. Sur chaque valve, il y a 5 symboles. Enfin, un symbole sur chaque valve. Il y en a 5 en tout.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, on ne sait pas. On va fouiller les placards. Voir si on peut trouver un indice. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Bon, les placards sont pas de vigueur hein, dans ce jeu-là. On a beaucoup mis, mais ils ne servent pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a sur l'espèce de petit balcon? Pas d'objet, rien. Bon. Allez, on va pousser ça. Et le bon plan se trouvait derrière. Voilà. Alors, on va le visionner, ce plan. Hop. Alors, pour défaire la plante, il faut l'espèce de lance-pierre. Là, on va l'appeler le Y. Le symbole templier, là, et l'arbalète. Allez. Donc, le lance-pierre, le Y, si vous voulez. Hop, vous avez vu, le premier bac se remplit. Le templier. La croix, comme vous voulez. Restons dans le... On va aller... je vous rappelle notre nom de l'espèce sur Assassin's Creed en même temps. Et l'arbalète. Voilà, le troisième se remplit. Et je vais actionner le levier. Voilà, l'arbre n'a pas du tout aimé ce mélange. Et du coup, eh ben, soit elle est morte, soit elle nous laisse passer. Je pense que la plante est plutôt morte. En tout cas, c'était prévu comme ça. Voilà, une petite énigme sympathique, mais pas très compliquée. Je l'admets. Allez, on continue. Oh, un garde-mort en haut. Alors là, c'est la plus grande salle du centre biologique. Nous sommes au rez-de-chaussée, nous. Il y a énormément de gardes aussi. Il va falloir faire attention, voilà, nous voici ici. Il va falloir chercher le pass de ce monsieur. Alors, je vais me soigner. 40%, allez hop, j'aime bien les pansements. Bon. Je vais sauvegarder. On a combien? 32 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, et je vais sortir mon Viper. Alors là, je vise l'homme qui est en haut, mais... J'aimerais viser quelqu'un qui se trouverait à côté de moi, plutôt. Alors là, c'est bouché par les plantes. Ici... Ah, j'ai un copain qui vient, là. On va aller s'en débarrasser. Hop. Vous avez vu qu'il ressemble vraiment au garde du haut fourneau, hein. Alors, le monsieur avait un pass. Oh putain. Où est-ce qu'il est, ce con? Putain, il m'a bousillé toutes mes vies. C'est le gars d'en haut, putain, le salaud. Et c'est maintenant qu'il faut que tu vises, putain. Là! Fumier! Alors, lui, il n'avait pas grand-chose, apparemment. Par contre, il m'a bien enlevé. Allez, on va prendre une grande trousse. On en a assez, vous inquiétez pas. 14, il y a de quoi faire. Et les balles se réduisent pour notre fusil de nettoyeur. J'aime beaucoup ce fusil. Je pense que c'est mon préféré du jeu. Bon, on a fouillé ici. On a de l'eau sur le côté, on va pas y aller. On va aller vers là. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé?
Qu'est-ce qu'on a trouvé? Énigme. Là, donc j'ai de passer tous les trucs du Louvre, etc. C'est dommage. Pas du Sextrave, non. Pas du Strave, on s'en fout. Passe du jardin botanique. Voilà ce qu'on a. Pour accéder aux zones à faible niveau de sécurité. Bon, on a celui à faible niveau. C'est le vert. Alors, regardons un peu ce qu'on trouve par ici. Donc là, on a un escalier. Bon, là, ça nous ramène à l'eau toxique, là. Je crois qu'on peut y nager dedans, hein, mais on va éviter d'y aller quand même. Je crois qu'il y a grand-chose. Alors ici, c'est la sortie. C'est la sortie et vous avez trois fentes. Là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Et là, par contre, ça marche. Là, c'est le pass de sécurité faible. C'est le niveau 1. Il me faut le niveau 2 et le niveau 3. Bien. Alors, on a un pass qu'on a vu tout en haut de la salle. Hein. C'est là où il y a le cadavre d'un garde tout en haut de la salle, rappelez-vous. Quand on est arrivé. Et il nous en manquerait un autre qui serait certainement... Ah, un garde qu'on n'a pas tué. J'entends des bruits de pas. Ça doit être celui-ci, justement. Allez, montons. 36 minutes. On est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Alors là, ça me semble assez loin. On va essayer d'aller de l'autre côté. On continue de monter de l'autre côté. Alors. Étage du haut. Vous voyez que c'est très 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 grand. On a encore un étage au-dessus. Vous voyez, une espèce de monticule. Le garde, il est de ce côté-là. La porte, évidemment, elle est fermée. Ce serait trop beau. Alors là, des sauts. Merci. On va sauvegarder. Voilà. Sécurisons-nous. Je ne lui avais pas demandé de faire un pas, hein, mais bon, on a l'habitude maintenant. Alors là, je vais sauter sur la partie grisée, là, foncée. Voilà. Bon, heureusement qu'on peut diriger Lara pendant sa chute. Là, je vais essayer un saut sans élan. Voilà. Ah, il m'a vu, je crois. Là. Et là, un petit saut en biais. Voilà. Ok, très bien. Alors ici, on n'a rien. Trop loin. Je n'en suis pas encore capable. Merde. Mais avant de parler de ce saut-là, je voulais voir si le garde en question ne m'avait pas laissé un pass. Apparemment non, mais bon. Juste en bas, ce serait la flotte. Bon, le corps n'est pas tombé, mais bon, on ne sait jamais. Alors, j'en suis pas encore capable. Pourquoi? On ne sait pas, mais bon. Alors là, on peut faire le tour. Alors là, on va ouvrir la porte déjà. Première chose. Voilà. Comme ça, si je fais une bêtise, je saurai me rattraper. Alors ici. Alors ouais, là, il y a un objet. Parfait. Mes forces sont revenues. Je peux peut-être franchir cet obstacle.
pourquoi pas. Mes forces sont revenues. Genre, elle avait perdu ses forces. Ah, si tu mangeais un peu plus aussi. Ah, il chute plus loin. Mais... Bueno. Faudrait que j'aille aussi dans l'étage du dessous, là, oui, avec les escaliers. Je n'y suis pas allé. Alors, on va tenter saut. Loupé! Trop à droite. Bon, bah. On est reparti. On est reparti. Fallait bien fail à un moment donné. 40 minutes. Pourtant, je pensais qu'elle allait se rattraper, mais... Il n'en fut rien. Allez. Ah, je savais que je recommençais là. Voilà. Hop. Hop, retourne-toi. Voilà. Voilà. Lui, on va l'accueillir. On va voir s'il me laisse quelque chose du coup. Non. Bon, c'était pas un bug du jeu. Trop loin. Je n'en suis pas encore capable. Pourquoi? On ne sait pas, mais... Allez, on ouvre ça. What the... Oh. Allez, on va récupérer nos forces. Mes forces sont revenues. Je peux peut-être franchir cet obstacle maintenant. Bizarre. Et compenser les scénaristes pour faire ça, ça, je ne comprends pas. Là, je veux bien qu'on ait pas de temps pour finir un jeu, mais avoir une comment on pourrait appeler ça, une idée pareille, je comprends pas. Bon, du coup, on va sauvegarder ici. On va éviter de recommencer 50 fois les mêmes choses. Bon, par contre, il n'y a plus de garde, donc où se trouve l'avant, le deuxième passe. Là, cette fois-ci, j'ai réussi. Alors là, on ira après, si vous le voulez bien. On va d'abord aller là-haut. Hop, attention de ne pas tomber ici. Ce serait un peu stupide. Alors là, est-ce que c'est un cul-de-sac? Non. On pourrait le croire, hein, mais non. Allez, on continue de monter. Et on va peut-être l'atteindre, ce garde mort à côté d'une plante, là. Avec son passe qui nous intéresse. Ah. Oh, une cinématique. On va manger un petit peu de scénario. Et vous allez voir qu'elle est pas mal. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Le chaos règne en nos murs. Pourquoi l'électricité a été coupée? Est-ce votre œuvre, Muller? Non. Plus de courant, nulle part. Contrôlez l'étanchéité du dôme, alors. Vite. Tout est bien hermétique. Nous devons éviter toute exfiltration. Tout est en ordre, Maître Eckhart. Nous avons un problème au sanatorium! Quel problème, Bose? Que les gardes surveillent détenus et animaux. Je dois vous avouer, Maître Eckhart, je n'ai pas détruit le proto-néphilim! Le proto? Vous plaisantez. Hein, Bose? Je vais m'occuper de ce contretemps. Cette expérience devait disparaître. Je l'ai expressément ordonné. Trop dangereux de le garder vivant. Je n'ai pu. C'est à moitié Néphilim. Il ne peut être tué sans votre éclat, Périapte.
Vous m'avez désobéi pour la dernière fois, Bose. Mais l'heure, c'est le moment d'utiliser vos petites créations. Ah, je vous en supplie, non ! Ce n'était pas ma faute ! Je vous suis fidèle ! Je ne tolère guère l'incompétence, Bose. Donnez-moi une dernière chance ! À la machine ! Ah ! Ah ! Tous doivent m'obéir. Nettoyez cette fange. Bon, alors on sait que le petit bonhomme il s'appelle Muller, on sait que la chose que l'on a délivrée donc c'est bien le proto-néphilim, bon je vous l'avais dit, et ça a donc été créé donc par Bose comme il nous l'avait dit au tout début de la vidéo, et Bose donc c'était la femme là avec le visage un peu bizarre, on dirait qu'il était tiré un petit peu, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, tiens voilà le passe. Gunderson qui s'occupe de tout, hein, je vais m'occuper de ce contretemps. Ah qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous allez voir que c'est pas Gunderson qui va se charger du proto-néphilim. On aimerait bien, mais non. Et donc, Eckhart, qui n'a strictement rien à faire de ses employés, a quand même construit un néphilim, quoi, même si c'est il est incontrôlable. Elle a construit un néphilim. Et donc, on ne peut le tuer sans un éclat périapte. Donc c'est l'un des éclats que l'on a pris à Curtis, si vous vous souvenez bien, Curtis, enfin non. Oui, si c'est ça son nom, mais on ne le connaît pas encore son nom, je viens de spoiler quelque chose, bon. Peu importe, mais... Aïe. Alors là, j'ai le pass de haute sécurité, mais me manque le moyen. Il serait pas par là, par hasard. Putain, s'il était là, il était resté en haut. Celui du garde que j'ai tué... d'en bas qui m'avait bien mitraillé la figure d'ailleurs. Ah on pouvait monter d'ici, putain quelle naze. Bravo KO, je n'avais pas vu l'échelle. Bon bref, donc on apprend maintenant un petit peu ce que font ces éclats périaptes grâce à Bose, et donc c'est bien Muller le gros monsieur en vert qui fait ces petites créations là, qui est responsable d'un peu tout ça quoi. Bien, j'ai trois passes, on va pouvoir sortir d'ici. Et on a encore le mystérieux blond, là, avec sa cape noire qui est là, qui est présent, qui parle pas beaucoup. Hein. Et qui est bien là. Et donc Gunderson, toujours présent, fidèle au poste. Et donc Eckhart sans pitié avec son personnel. Allez, je prends la carte que je viens de trouver. Tchac, la sécurité moyenne et la haute sécurité, celle qu'on a trouvée tout en haut sur le cadavre d'une plante qui n'a pas bougé quand on est arrivé d'ailleurs. Alors, on n'a toujours pas fini avec le centre de recherche biologique, il me semblait qu'on n'était pas loin de la fin. 7, allez. Hop, on a combien? 48 minutes. Il ne doit pas me rester grand chose. Ah oui. Alors, dernière étape. Oui, exact. Donc, le centre de recherche biologique n'est pas encore terminé. Il va falloir que j'arrive... à passer. Ah non, il va pas falloir que j'arrive, tout simplement. On peut passer d'un coup. Il y a des choses en bas. Alors, j'ai sauvegardé de toute façon. Donc, pas de soucis, mais je crois qu'il y a des surprises en bas. Hop. Allons-y. Bon. Oh putain, il y a du bon gaz, là. Allez, hop, hop, hop. Un chargeur. Là, il y a de l'eau, on va pouvoir y aller. Ici, il n'y a rien du tout. Merde, j'aurais peut-être dû remonter un petit peu avant. Non, c'est bon. Le passage n'est pas très profond. Allez, monte là. Hop.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, très bien, on peut monter là-haut. Alors ça, tout ce que je fais là est secondaire, hein, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien aller jusqu'à la porte où je suis allé. Merde, non. Vous pouvez très bien aller à la porte dès le début où je suis allé. Voilà. Hop. Parfait. Alors, ça s'amène autre part, ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Des casiers vides ou pas? Bah, là, c'est vide, oui. Allez, un petit truc. Ah. Un pansement, très bien. Un peu radin ici dans le Strahov. Hein. Des pilules. Ça ne bouge pas. Ok. Bon, ça c'est quelque chose qui a certainement dû être codé et qui a été abandonné. Parce qu'on n'ira pas. Ok, très bien. Eh ben, partons d'ici alors. Bon. Je n'ai pas d'autre endroit où aller. Voilà. On peut... Il y a un tout petit peu d'oxygène sur la surface de l'eau, mais c'est tout. Et ici... Ah, il y a quelque chose là que j'ai loupé. Un chargeur. Là, il n'y a rien. Eh ben, on monte. Voilà. Bon, et eh ben, on passe. Tranquillou bilou. Ça manque un peu d'intérêt ici, quand même. Hein. Bien. Et on quitte le centre de recherche biologique pour aller dans le centre de recherche aquatique. Après un autre sas. Ici, on ne peut pas y aller, il va falloir passer par là. Eh ben, vous avez vraiment tout foutu en l'air, hein? Pour qui? Pour l'escroc qui a volé ma peinture? Qu'espériez-vous en faire? Les explications plus tard, Miss Croft. D'abord, je dois absolument rétablir le courant. Et vous me laissez ici? Vous avez causé assez de dégâts depuis 2 jours. Je préfère vous savoir au repos pour l'instant. Prenez donc vos aises. Et ça? On éclate Périapte? Vous? Je l'ai bien ramassé au Louvre, oui. Après votre vol de ma peinture. Nous verrons plus tard. Je vous retrouve ici. Pourriez-vous vous résigner à ne rien casser? Bon, sanatorium, le fameux endroit où il y a un problème avec le proto Nephilim, comme dirait Bose. Et voilà, pour la première fois dans l'histoire de Tomb Raider, nous n'allons pas contrôler Lara Croft, mais son homologue masculin, Curtis Trent, voilà. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode, je vais sauvegarder immédiatement sans bouger le moindre orteil. Ça, ce sera pour la prochaine fois, et donc nous ne sommes pas dans le centre de recherche aquatique, comme je vous l'ai dit, je vous ai bien eu, hein. Mais non, nous sommes donc bien au sanatorium, avec Curtis Trent, voilà. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, et ben, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur l'Ange des Ténèbres. Salut les amis!